Ouais. Bah, le petit chat, non? Oh, y a rien d'autre. Tac, tac, tac. Ah, j'y étais presque. Oui. J'arrive, petit chat. Ouais, t'étais pas là? Allez. Un petit câlin. T'en fous, hein. On n'a pas de méchant de retour. Ouais, personne. Bon, il manque une ou deux. Ah, c'est elle, ça. Étage 3. Voilà. Ah, plus qu'une. Ah, bah voilà. Il était environ midi un dimanche quand je reçus un appel du pasteur. Il recherchait quelqu'un pour retaper la vieille église. Ça faisait plus de 40 ans qu'elle était à l'abandon, perchée sur la colline. Depuis qu'un incendie causé par la foudre l'avait ravagée, en 1898. Évidemment, j'acceptais de l'aider. Dès que je suis entré, un frisson d'angoisse inexplicable m'a traversé. J'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Mais j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis mis au travail. En commençant à démonter les planches, qui étaient toutes pourries, je suis tombé sur un vieux nid à rats. Il n'avait pas l'air bien différent de ceux que j'avais vus en 22 ans passés à travailler sur des chantiers, jusqu'à ce que je réalise que le rat avait fait son nid à partir de cheveux et d'os humains. Mmh. Tout à coup, le plancher du deuxième étage a commencé à grincer au-dessus de ma tête, et j'ai entendu une jeune fille qui pleurait. Alors j'ai eu peur. Peur que le plancher cède sous son poids. Alors j'ai crié « Hé, arrête! Tu m'entends? Descends de là, tout de suite !» Mais le son de ma voix avait dû la surprendre, parce que elle n'a plus fait aucun bruit. Je suis donc monté à sa recherche. À ma plus grande surprise, la pièce du haut était complètement vide. Ça m'avait pris à peine une minute de monter à l'étage, et si la fillette s'était enfuie, je l'aurais entendue. À ce moment-là, les pleurs ont repris de plus belle. Mais cette fois, ils venaient du clocher. Alors j'ai décidé de monter jusque-là, et en grimpant les marches délabrées, j'ai remarqué qu'elles étaient recouvertes de sang séché. Et lorsque j'ai enfin atteint le beffroi, ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'à l'os. J'avais là, juste sous mes yeux, le squelette desséché d'une fillette. Ses vêtements délavés, ses os blanchis, tout laissait à penser qu'elle avait passé la majeure partie de ses 40 dernières années ici. Je veux dire, les rats avaient dévoré jusqu'au dernier morceau de chair. Oui, je me suis enfui en courant. Et je ne me suis arrêté qu'en arrivant dans la ville.
La police n'est jamais parvenue à identifier la fillette. Les ravages du temps étaient trop importants. On ne saura probablement jamais qui l'a tuée. Il paraît que parfois, on peut encore l'entendre pleurer. Quant à moi, je n'y suis jamais retourné. Tu m'étonnes. Donc, troisième étage, est-ce qu'il y a des escaliers? Attends! Reviens! Mais tu pars déjà? Oui, désolé, je reviendrai, ne m'attendez pas. Fais attention à toi, mon enfant. Bah, hey. Bah viens. Ah. Quand elle sera calmée, je lui demanderai pourquoi elle a besoin de rester ici. Oh non. Alors, certains objets pour détourner l'attention des objets. Une heure après, les corbeaux peuvent, c'est très utile. C'est... Oh non, il y en a deux. Comment? Ok. N'a qu'un. Ah, il y a le corbeau là. J'ai fait trop tôt. Ouais, là-haut, c'est toujours bloqué, j'imagine. Il y a des trucs pour se cacher. Ah! Eh! Hey. Peut-être que je peux marcher sur le rebord. Avant de continuer mon enquête. Parce que je peux toujours pas faire disparaître le mur. Non? Alors. Doucement, doucement. Pop. Ah, la petite famille. Bonjour. Look at the ball.
Là-bas aussi, un truc. Hein. Voilà. Hop. Alors, à moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah non, là, de cet endroit. Bénédicte, nanana. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est rien, ça? C'est juste. Ok. Bon, bah. Là où il y a rien. Non. On se tire. Allez là. Bon sang. Et maintenant. Elle est partie, hein. Alors, identité du tueur, non. Disparition de la mère du témoin, peut-être. Le mobile, message, le grenier. Témoin fuite. Sa destination. Qu'est-ce que ça pourrait être sa destination? Est-ce qu'elle serait partie peut-être à la recherche de sa mère? D'un endroit. Il doit bien y avoir un indice à propos d'un endroit. Alors, grenier. Elle en est partie, donc témoin fuite. Je sais pas, moi le grenier. Hein. Allez là. Le message alors. Voilà. Allez, pars. Va chercher mon carnet au poste. Ne te retourne pas. Tout simplement. Ok. Au poste de police. Ouais. Elle va au poste de police pour voler un carnet. Elle passera inaperçue. Tu savais que sa mère bossait pour la police? Très bien, comme tu voudras. Il est temps de retourner au poste.
Est-ce que ça a sauvegardé? J'ai pas vu. Il y avait un spécial ici. Hein. Bon bah on se tire. Hop. Allez. Ce bruit. Ça va? Qu'est-ce que... Oh, j'ai flippé, j'ai cru que c'était un truc qui allait dans le ciel. Putain, perspective en fait. Ok. Commissariat. Faut que je fasse une pause vraiment. C'est par là. Un blond. Je me souviens pas avoir déjà vu un blond. Ça fait du bien d'être loin de la métropole et de ses problèmes. Oh, quel ennui. Il ne se passe jamais rien ici. C'est quoi déjà ce jeu avec la fille qui pille les tombes? Je connais pas. Ça doit faire mal de se faire faire un tatouage. Le policier en avait des tas. Difficile de croire qu'un flic s'est fait tuer ce soir. C'est tellement calme. Vraiment paisible. Mais attends, mais... Je sais pas au début. Hein. Oh putain, si. Bon, on va aller au poste de police. Pourquoi il y a une musique comme ça? J'oublie des trucs. Hein. Ah, par contre, la musique. Il n'y a pas de musique depuis tout à l'heure et d'un coup. Alors là, je suis ok.
Oh, la musique là. En Espagne, j'ai entendu dire qu'il les brûlait. Ouais, allez, bougez-vous. Hop, merci. Est-ce que tu vas toujours me parler de l'histoire ou je sais pas. C'était quand ces procès? Au 19e siècle? Ça me fait un drôle d'effet de revenir ici, maintenant. Cet endroit auquel je m'étais raccroché quand j'étais au fond du trou, quand je m'étais retrouvé brutalement seul. Marrant comme l'histoire se répète. Mais ce soir, il utilisait un flingue pour la première fois. Ce salaud a une nette préférence pour le corps à corps. Donc rappelez-vous, surtout ne l'approchez pas de trop près. Chef, si on ne peut pas l'approcher, comment on l'arrête? Souvenez-vous de l'entraînement. Désormais, c'est un tueur de flics, tiré sans sommation. Le QG du crieur des morts.